L'esprit de la gagne, oui, c'est un grand sujet. Maintenant, par rapport à ça, Teddy Riner et tous les sportifs de haut niveau sont dans cet état d'esprit. Ça ne veut pas dire que maintenant, ça y est, il faut foncer. Vous croyez que je suis à la pointe tous les jours, au maxima tous les jours? Non, je suis un être vivant, à un moment donné, je chute, je n'ai plus confiance, plus rien, mais on n'a pas le choix. Ce n'est pas les grands mots, les grands messages du lundi matin, c'est simplement que l'esprit de la gagne, c'est d'avoir encore l'envie. C'est dur, oui, mais il faut se dépasser. Il y a des limites, oui, mais il faut aller jusqu'au bout de ces limites. C'est pouvoir avancer, travailler en collectif, oui, réfléchir ensemble, oui. Maintenant, à un moment donné, c'est à vous d'aller dans ce sens. C'est d'agir, c'est action, réaction. Oui, c'est vrai que c'est pas simple, c'est compliqué, pas de souci. Maintenant, par rapport à ça, on est obligé d'aller plus loin. Donc, c'est pour ça que l'esprit de la gang, il faut que absolument vous le gardiez, même si c'est pas évident. Bien sûr qu'il y a des moments où on se fait un break. Moi, j'ai fait break cinéma hein, ce week-end. Je suis même allée sur un congrès de Worms. Impeccable, mais j'ai fait le break. Donc, par rapport à ça, sur l'esprit de la gang, pour pouvoir effectivement avancer, c'est obligatoire. En tout cas, excellente journée et à très bientôt. Au revoir.